Le faoun est un petit animal cervidé comme le cerf, le daim, le chevreuil. Le faoun est un nom vernaculaire désignant le premier stade juvénile des cervidés, qui est dépourvu de bois. Au sens restreint, il correspond au petit d'un cerf, d'un chevreuil ou d'un daim. En restant sur la première définition, le faoun se caractérise surtout par une robe rousse ou brun clair tachetée de blanc, un pelage qui est parfois appelé une livrée et qu'il partage avec le marcassin. Le faoun présente un pelage tacheté qui disparaît petit à petit. Il mue une première fois en avril, en commençant par la tête, le cou, les pattes puis le tronc. Une seconde mue a lieu en octobre mais elle est moins visible. Cette robe temporaire aide le faon à se camoufler sous le couvert forestier ou dans les hautes herbes, ceci pour se protéger des prédateurs et en attendant le retour de la biche, femelle qui généralement s'en occupe seule. La plupart des cervidés concernés gardent cette robe jusqu'à l'âge de 6 mois. Dans la culture populaire, le faoun est surtout célèbre à travers le personnage de Bambi, dépeint dans le roman autrichien de jeunesse Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, paru en 1923, et adapté notamment dans le film des studios Disney Bambi, sorti en 1942. Sa popularité est à l'origine de notions comme l'effet Bambi ou le syndrome Bambi. À sa naissance, le faoun ne tarde pas à se dresser sur ses quatre pattes pour se nourrir du lait de sa mère. La période d'allaitement varie entre 3 et 6 mois selon les espèces. Plus tard, il broute de l'herbe et mange des bourgeons, des feuilles, etc. Les faouns sont de jeunes cerfs, et on les trouve naturellement là où on trouve le plus de cerfs, dans les champs et les prairies en été, tandis qu'en hiver, on les trouve généralement dans les forêts. La plupart des faouns naissent entre la mi-mai et la fin juin. Ils ont un pelage brune rougeâtre avec des taches blanches, beaucoup en fait, environ 300. Une mère cerf laisse souvent ses bébés seuls pendant de longues périodes, en particulier les premiers jours. En effet, un faoun nouveau-né n'a pas d'odeur et est plus en sécurité immobile et seul, plutôt que d'essayer de suivre sa mère. Un faoun nouveau-né pèse environ autant qu'un bébé nouveau-né. Entre 1,8 et 3,6 kg. Il est souvent comparé à la taille d'un gros chat domestique avec de très, très longues pattes. Les faons sont vraiment mignons avec leurs pattes grêles, leur poids et leurs minuscules queues agitées. La mère cerf ou biche peut allaiter son faon 3 à 4 fois par jour. Le lait de cerf est très riche. Une fois que le faoun est assez vieux, il mange la même nourriture que sa mère. Des plantes, y compris des feuilles, des brindilles, des fruits et des noix, de l'herbe, du maïs, de la luzerne et même des lichens et d'autres champignons. Les faouns sont la proie des lynx roux, des pumas et des coyotes. Par sécurité, une biche cachera ses faouns séparément les uns des autres.
les faunes suivent un certain nombre de stratégies de défense auxquelles elles sont souvent prédisposées en raison de leur nature. Les antilopes qui se rassemblent en grands troupeaux, comme les gnous, comptent sur la vitesse de course pour se protéger des autres animaux. De nombreuses antilopes forestières comptent sur une coloration cryptique et une bonne ouïe pour éviter prédateurs qui vivent à ses côtés et menacent sa vie, car l'antilope a souvent de très grandes oreilles et des couleurs sombres ou rayées, et la jeune antilope surmonte la prédation en sautant dans les buissons denses où les prédateurs ne peuvent pas les suivre et s'en prendre à eux, comme les antilopes sont flexibles et ont une bonne endurance. Les antilopes ont tendance à être monogames. Elles vivent dans un environnement forestier avec des ressources inégales. Un mâle ne peut pas monopoliser plus d'une femelle en raison de cette répartition clairsemée. Les grandes espèces forestières ont souvent de très petits troupeaux de groupes composés d'un certain nombre de femelles et moins de mâles. L'antilope diffère du cerf par sa forme, car l'antilope se distingue par ses cornes plus grosses et plus fortes que celles du cerf, qu'elle utilise pour se défendre le troupeau. L'antilope vit entre 8 et 10 ans, tandis que le cerf vit jusqu'à 20 ans. Beaucoup de gens confondent une antilope ou une gazelle ou ce qu'on appelle un cerf, et ils pensent que c'est le même animal, mais en fait il y a beaucoup de différences entre eux. Les antilopes sont confrontées à un certain nombre de défis et de menaces, car un certain nombre d'entre elles ont été tuées en raison d'infections causées par la bactérie Pasteurella, qui est une bactérie commune qui vit généralement dans le système respiratoire de l'animal, mais qui se retrouve d'une manière ou d'une autre dans le sang des animaux. Lorsqu'il circule dans l'organisme de ces animaux et envahit leur foie, leurs reins et leurs rates et produit des toxines qui détruisent les différentes cellules de l'organisme, provoquant des hémorragies internes massives. Au fur et à mesure que le sang s'accumule autour de ces organes, sous la peau et autour des poumons, une fois infecté par la bactérie Pasteurella, l'infection devient 100% mortelle et l'animal se termine complètement, ce qui est le même climat qui a vu la mort de cas similaires avant celle de l'antilope, et ce qui confirme le rôle du climat dans l'action de ces bactéries. C'est la mort de plusieurs souris infectées lorsque le taux d'humidité a augmenté. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.